Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Tout de suite les titres de ce vendredi 22 avril. Basket, le BLMA a disputé hier soir la demi-finale allée du championnat de France face à Bourges. Malgré une bonne entame de match, les filles de Valérie Demery ont explosé face à la rigueur défensive des Berruyères. À Gignac se déroulait le 25e concours des vins de la vallée de l'Hérault, des vins aujourd'hui reconnus à la juste valeur. Et puis un invité ce soir dans le journal, c'est Gérard Mutelet, le directeur régional de Pôle emploi en Languedoc-Roussillon. Bonsoir, bonsoir monsieur Mutelet. Bonsoir. Débutons ce journal tout de suite par les conditions de circulation pour ce week-end pascal. L'autoroute A9 est déjà très chargée dans les deux sens. Bison Futé prévoit un samedi rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Lundi, même chose, Bison Futé voit rouge pour les retours du week-end de Pâques, mais les routes seront dégagées dans le sens des départs. Justement, pour assister au match de foot à Paris, je vous recommande donc le train. Il y a quelques minutes, Hélène Mandrou remettait à une centaine de bénévoles des associations de la ville. Leur billet de train est surtout le précieux sésame pour la finale de la Coupe de la Ligue qui se dispute samedi au Stade de France. On écoute les réactions des heureux bénéficiaires. J'ai près de 40 ans d'associatifs derrière moi, de travail bénévole, et c'est la première fois qu'une municipalité, donc Madame le maire, pense aux bénévoles et offre la possibilité d'aller vibrer avec l'ensemble des Montpelliérains au Stade de France pour soutenir notre équipe. Et j'en suis ravi. Je pense que ce geste pour les gens de Montpellier et pour soutenir le club de Montpellier à Paris est très gentil de leur part. 1-2-1 pour Montpellier, je pense. Ouais, 1-2-1 pour Montpellier et puis on redescend avec la coupe. Justement, dans 24 heures, donc, Montpellier va disputer sa première finale de Coupe de la Ligue au Stade de France. Alors sans John Takin, hein, qui est blessé aux adducteurs et qui a déclaré forfait, mais avec Laurent Pionnier dans les buts, comme depuis le début de cette belle aventure, c'était assez logique qu'il boucle la boucle. Si vous n'avez pas encore prévu la tenue adéquate, Bastien Amalou et Louis Monziès vous donnent les derniers conseils pour bien supporter le Montpellier Héros. Aujourd'hui, nous sommes à la boutique du MHSC et l'équipe de TV Sud va vous montrer comment s'habiller pour cette finale de la Coupe de la Ligue. Alors suivez-moi dans les rayons, c'est parti. La finale arrive très vite et je n'ai pas encore acheté ma tenue. J'ai envie de porter les couleurs de mon équipe, mais je ne sais pas quoi choisir. La boutique du MHSC vous propose divers équipements. T-shirt de la Coupe de la Ligue, oui. Spécifique à la Coupe de la Ligue. Vous l'avez en blanc et vous l'avez en bleu comme je le porte. Sinon, vous avez le maillot avec quoi ils vont jouer. Donc c'est le maillot qu'ils ont eu en demi-finale. Et qui nous a porté bonheur. Qui nous a porté bonheur et qui porteront le jour de la finale contre Marseille. Ensuite, vous avez aussi des écharpes. On n'a plus d'écharpes spécifiques à la Coupe de la Ligue. Il reste des écharpes disponibles du club. Voilà, il reste des écharpes disponibles du club. Toutes sortes d'écharpes, on doit avoir 5-6 modèles différents. Ok. Voilà. Bon bah alors suivez-moi, direction les camions d'essayage. La boutique me propose différents articles, mais j'ai fait mon choix. Pour moi ce sera maillot, casquette et écharpe. Voilà, je me suis habillé aux couleurs du club, je suis prêt à encourager mon équipe. Avec les 16 000 supporters qui montent au Stade de France, j'ai eu la chance de trouver mon maillot. La boutique a été dévalisée, on enregistre des ventes records. Plus de 1000 t-shirts spécial Coupe de la Ligue, environ 1000 maillots et rupture de stock pour les écharpes de la finale. On achète les éléments séparément, quoi. On prend l'écharpe, le t-shirt, puis on va essayer d'acheter du maquillage et trouver une perruque, peut-être orange, aux couleurs de notre club, quoi, pour vraiment que ce soit la fête, quoi, demain. Quoi. La tenue du supporter peut être originale ou colorée, tant qu'on la porte avec fierté. Si vous voulez suivre cette finale comme au stade, vous pouvez vous rendre au Jardin du Pérou où un écran géant sera installé pour l'occasion. Et puis bien sûr, vous ne manquez pas Sport Sud lundi à 18h30. Vous retrouverez toutes les images, les réactions des supporters, des joueurs et bien sûr un reportage sur le match de qualification de handball pour la Ligue des Champions. Olivier Brachard sera à Rhein-Neckar-Löwen. Parlons basket maintenant. Le BLMA a disputé hier soir la demi-finale allée du championnat de France de basket face à Bourges. Ça s'est très mal passé pour les filles de Valérie Demery. Les explications d'Olivier Brachard. Latte 45, Bourges 72. Une défaite sévère, mais une défaite logique. Pour ce premier round des demi-finales du championnat de France, à domicile, les filles de Valérie Demery se sont peut-être remis de pression sur les épaules. Moi, je pense pas. Je les ai senties toute la semaine sereines. Maintenant, un match, il faut le jouer, il faut le conclure. Et puis, ce soir, on a été
On a été moins bon, on a été maladroit. En beer basket, ça pardonne pas. Quoi. Impardonnable le deuxième quart-temps des joueuses locales. Même pas 20% de réussite au tir. Bourges creuse un écart presque rédhibitoire, plus 15 à la mi-temps. Ensuite, les filles du Cher n'ont plus qu'à gérer leur avance et maintenir leur raquette bien protégée. Les seules solutions qu'on a trouvées, on a raté les paniers faciles. Donc je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est impardonnable à ce niveau-là de rater des paniers sous le cercle. Et physiquement, on a été dominés, donc on ne peut pas gagner un match comme ça. Quoi. Battues dans le combat intérieur, en panne d'adresse, les Latoises tentent de limiter les dégâts. Moins 27 au final dans une salle archi-comble. Lat a loupé ce rendez-vous qui devait être une fête. On est déçus parce que c'était notre dernier match à domicile. Et c'est vrai que voilà, on a fait deux perfs à l'extérieur et faire une prestation comme ça devant notre public, c'est un peu décevant. Mais bon, c'était du bonus pour nous. Voilà, on va à Bourges dimanche, on n'aura vraiment plus rien à perdre. Après les exploits de la semaine dernière et notamment la qualif pour la finale de Coupe de France le 15 mai à Bercy, les filles de Lat n'ont visiblement pas eu le temps de reprendre des forces. Bon, on peut espérer que les filles de Valérie de Maurice en sortent malgré tout. Elles nous ont habitués aux exploits, alors on leur souhaite de le réaliser. On parle santé maintenant. Des ateliers ludiques pour aider à traiter la maladie de Parkinson. C'est la méthodologie non médicamenteuse expérimentée actuellement par l'équipe médicale de la clinique des Jardins de Sophia. Deux à trois fois par semaine, les malades participent à différents ateliers qui visent à les mettre en situation d'autocontrôle dans le but de retrouver une certaine autonomie. Je vous propose d'écouter les explications du docteur Bernard Michel. On s'est attaché à l'aspect psychomoteur avec des exercices avec les ergothérapeutes, kinésithérapeutes, les psychologues pour le côté comportemental, psychologique, dépression. On s'aperçoit que sur l'année, ils ne sont pas guéris, mais que leur dépendance et leurs troubles cognitifs ne se sont pas aggravés. Partons maintenant dans l'arrière-pays, à Gignac plus précisément, où se déroulait le 25e concours de dégustation des vins de la vallée de l'Hérault. Un concours qui a rassemblé 70 producteurs et un public nombreux qui reconnaît aujourd'hui l'excellente qualité de ces vins. Louis Tolleron et Mouadel Yacabi y ont goûté avec modération. Il y avait du monde au 25e concours des vins de la vallée de l'Hérault. Accueilli au sein du lycée agricole de Gignac, ce concours qui chaque année prime le meilleur vin de la région est devenu un gage de succès commercial pour les producteurs. Nous savons que ceux qui ont obtenu le grand prix ou qui ont obtenu des médailles, eh bien quand même sur le marché, au niveau de leur vente, ça se ressent et ils sont très satisfaits. Ce concours-là est un super outil de promotion du vin et on voit l'investissement que les gens y mettent et donc un grand merci. Parmi le jury, une délégation de 8 journalistes français, belges et anglais ont été conviés à découvrir la région et sa gastronomie pour mieux la promouvoir. Le jury était également composé d'œnologues ou encore d'amoureux du vin qui ont pu mettre leur talent d'expert à l'épreuve face à plus de 200 produits. Le truc qui ressortait, vraiment, c'est la fraîcheur. Moi, je suis vraiment étonnée des vins de la région pour les blancs. Pour moi, c'est ça que je retiens. C'est vraiment une belle vivacité, la belle fraîcheur. Là, on a vraiment goûté des choses qui méritent vraiment d'être connues, ça c'est certain. La concurrence était rude, mais finalement, le grand jury a choisi cette année de récompenser deux vins. Un blanc du domaine Villa d'Andona, ainsi qu'un rouge du domaine Les Quatre Amours. La soirée de remise des prix aura lieu le jeudi 16 juin à Gignac. Je vous le redis, hein, les routes sont encombrées aujourd'hui, le vin est à consommer avec modération. Parlons construction maintenant, avec la place Ernest Granier qui poursuit son développement, le préfet Claude Balland posait hier la première pierre d'un nouvel immeuble qui accueillera entre autres les services de la direction départementale des territoires et de la mer. Bonsoir Gérard Mutelet. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional de Pôle emploi en Languedoc-Roussillon. Les derniers chiffres dans la région font état d'un peu plus de 144 000 demandeurs d'emploi. C'est beaucoup. Hein. Tout à fait, c'est beaucoup. C'est toujours trop, de toute façon. 145 000 demandeurs d'emploi, effectivement, sont inscrits à Pôle emploi et donc sont en situation de recherche d'emploi. C'est une situation qui est difficile. C'est une situation qui est meilleure que ce que nous avons pu connaître en 2010, mais qui reste encore, et malheureusement, je dirais, orientée à la hausse, puisque en comparant les deux années,
celle de 2010 et celle de 2011, nous connaissons encore une progression de 4%. 144 000 demandeurs d'emploi, c'est beaucoup. Et en même temps, par ailleurs, on constate qu'on est la région la plus en pointe en termes de création d'emplois. Comment vous expliquez cette dichotomie entre les ces deux chiffres ? Bien, nous avons une situation qui est difficile, je le disais. Nous avons aussi une situation qui présente un certain nombre de signes, de signaux, que l'on peut qualifier de positifs. 140 000 demandeurs d'emploi, une situation qui est plus favorable actuellement, ou tout du moins qui s'améliore pour les jeunes, puisque nous constatons, et c'est très bien ainsi, une diminution du chômage des jeunes, certes qui est moins importante que celle que nous constatons au niveau national, mais qui s'inscrit dans un mécanisme de diminution. Et puis, dans le même temps, et vous le disiez, lorsque nous regardons l'économie régionale, nous sommes, si ce n'est atypique, à tout le moins bien positionnés au niveau de l'échiquier national, puisque depuis près de 10 ans, notre région a toujours connu un solde net de création d'emplois supérieur à ce que nous constatons au niveau national. Il y a eu une exception au cours des 10 dernières années, c'est ce que nous avons observé en 2010, où là nous sommes passés en dessous du zéro, c'est-à-dire à moins 0,4%, avec un résultat là encore meilleur que le niveau national, et l'année dernière, nous repartons à nouveau à la hausse. Les dernières estimations que nous avons donneraient ou laissent espérer un résultat supérieur à 1%, entre 1 et 1,5. Et donc, peut-être, et nous l'espérons, un solde net de création de près de 7 500 emplois. Donc, lorsque l'on met en balance ces deux données, d'un côté un chômage qui reste fort, d'un autre côté un solde de création net d'emplois qui est positif, il pourrait y avoir un paradoxe. Alors, il n'y a pas réellement de paradoxe, parce que nous avons une économie qui tourne, mais qui est portée majoritairement par l'activité saisonnière. Dans le même temps, nous avons des flux d'inscription qui sont importants. Et actuellement, les sorties pour reprise d'emploi ne peuvent pas encore compenser les entrées. Je vous le disais tout à l'heure, globalement, lorsque nous enregistrons plus de 300 000 demandeurs d'emploi par an, il en sort 296 000 environ. Donc, le delta est négatif et donc nous continuons encore à légèrement progresser au niveau du chômage. Alors il y a quand même des raisons malgré tout d'espérer, parce que vous avez récemment produit une étude sur les besoins en main-d'œuvre dans la région, et c'est effectivement une étude qui est plutôt positive. Alors c'est effectivement une enquête que nous appelons BMO, besoins en main-d'œuvre, qui est réalisée maintenant depuis 10 ans. C'était donc la 10e enquête, c'est une enquête nationale, mais qui est réalisée région par région. Alors, que constatons-nous ? D'une part, nous essayons de questionner le maximum d'entreprises. Et cette année, il y a eu plus de 78 000 entreprises qui ont été interrogées. Et 25% d'entre elles répondent. Et répondent d'ailleurs pratiquement tous les ans à ce même rythme. Ce qui me permet de leur envoyer un message de remerciement. Je trouve que cette fidélité et en même temps cet intérêt qu'ils témoignent en répondant à cette enquête est un bon message. Je les en remercie. Et sur ces donc près de 20 000 entreprises qui ont permis de traiter les réponses fournies, eh bien, nous observons qu'il y a près de 78 000 projets de recrutement qui sont déclarés sur l'année 2011. Alors 78 000, oui, mais il y en a quand même plus de la moitié qui ne sont pas des emplois pérennes, ils sont plutôt des emplois saisonniers, encore une fois. Tout à fait. C'est la caractéristique même de notre économie régionale, qui est très fortement portée par l'activité saisonnière, que celle-ci se situe au niveau de l'agriculture ou au niveau de l'hôtellerie-restauration. Donc effectivement, 56% des intentions d'embauche qui sont déclarées recouvrent ces deux secteurs d'activité, agriculture, mais aussi agroalimentaire, donc dans la chaîne de transformation des produits agricoles, et l'hôtellerie-restauration, bien évidemment, caractère dominant, notamment sur la façade maritime, mais tout ce qui va autour, et notamment le commerce, par exemple. Est-ce que vous avez pointé une certaine catégorie d'emplois qui manque cruellement dans la région ? Alors, juste avant de répondre à votre question,
N'oublions pas non plus 56% d'emplois saisonniers, 44% pérennes, hein, qui sont pérennes dans la vente, dans le tourisme aussi. Mmh. Il existe des emplois pérennes et c'est donc un véritable enjeu aussi pour notre territoire, mais aussi la santé, le médico-social par exemple, et tous les emplois de ce qu'on appelle communément le tertiaire service, le grand domaine du tertiaire service. Alors effectivement, nous leur posons la question aussi. Est-ce que vous considérez que ces recrutements sont difficiles à réaliser ? Alors par nature, un recrutement est toujours difficile à réaliser. C'est un véritable enjeu de recruter. Mais nous identifions très clairement quels sont les secteurs où il peut y avoir des difficultés plus marquées que d'autres. Je pense notamment à l'hôtellerie-restauration, notamment les emplois de cuisiniers, mmh. où il y a une forte demande, mais il peut y avoir des pénuries de qualifications en la matière. Le secteur de la santé, autour des infirmières, bien connu. Le secteur du bâtiment, pour certains métiers. Alors, on identifie les raisons, on y travaille, bien évidemment, pour les corriger à partir de la formation, notamment, et la promotion de l'alternance au travers de la découverte des métiers, et donc l'accès à ces qualifications, qui sont souvent des qualifications pérennes, par le biais, par exemple, de l'apprentissage ou des contrats de Nadine professionnalisation. Morano a d'ailleurs annoncé hier à Montpellier qu'elle souhaitait passer de 600 000 à 800 000 apprentis en France à l'horizon de 2015. Tout à fait. À côté de cette enquête, vous avez aussi interrogé les chefs d'entreprise en leur demandant comment, en gros, ils se projetaient dans les 5 ans à venir. Alors, est-ce qu'ils sont plutôt optimistes, pessimistes? Comment ils voient les choses? Alors, effectivement, pour la première année, nous avons réalisé une enquête complémentaire, mmh. en prospective, je dirais, à moyen terme, voire court terme, sur les 3 à 5 années à venir, en demandant aux chefs d'entreprise comment voyez-vous l'avenir pour votre entreprise, comment voyez-vous les recrutements et, le cas échéant, comment pensez-vous embaucher et notamment promouvoir un certain nombre de qualifications dans votre entreprise ou en aspirer et par quel biais, notamment par le biais de la formation. Effectivement, la réponse, même si elle n'a pas été surprenante, est évocatrice. 58% des entreprises, des chefs d'entreprise de notre région considèrent à minima que leur niveau, je dirais, sera celui de la stabilité. Mais 27% considèrent qu'il va y avoir une progression. Un message intéressant. À minima, 58% considèrent stabilité, plus de 27% environ considèrent qu'il va y avoir progression. Je pense que c'est un message intéressant pour la population de notre région. Merci beaucoup, Gérard Muclet. La toute première fête des luthiers démarre ce lundi de Pâques, quartier Sainte-Anne à Montpellier, au programme des concerts, des conférences et des masterclass, mais aussi un atelier vivant, un marché des luthiers et une exposition internationale d'instruments. Une 60aine de luthiers français et étrangers sont attendus. Ces 25 dernières années, Montpellier est devenu un haut lieu de la lutherie. Aujourd'hui, ils sont 11 luthiers qui fabriquent leurs instruments. Cette fête est surtout l'occasion de découvrir ce qui se passe derrière la porte de leurs ateliers. On écoute Frédéric Chaudière, luthier, et président de l'Académie internationale de musique de Montpellier. Les instruments de musique, on en parle peu, ils sont souvent même pas mentionnés dans les programmes, sauf si c'est un Stradivarius, si c'est un violon qui coûte très cher. Bon. Nous, les luthiers, on est une espèce d'interstice entre le public et l'artiste. Et on a un travail très important et qui est absolument méconnu. Et c'est à nouveau une chance un peu unique pour beaucoup de luthiers de montrer leur travail. Et pour le grand public, de rencontrer des luthiers, boire un verre ensemble, discuter du métier, discuter des instruments, et évidemment pour les musiciens, d'essayer avec vraiment une palette très large d'instruments modernes. Culture encore, après une semaine de mise en place, la ZAT fait son retour pour le week-end de Pâques. Après le quartier d'Antigone, c'est au Parc Méric que vous pourrez vous laisser surprendre par une centaine de prestations artistiques. Samantha Bor et Nouria Kazakou-Berta nous emmènent à la découverte de ce lieu trop souvent méconnu des Montpelliérains. Un jardin qui se transforme en terrain de jeu pour artistes. C'est le concept de la ZAT, zone artistique temporaire. Pour sa 2e édition à Montpellier, la ZAT se met au vert en misant sur l'écologie. À la disposition des visiteurs, 3 jours, du lever au coucher du soleil, pour assister au spectacle urbain proposé. Découvrir des chants d'oiseaux, se reposer sur un transat au milieu des vergers et pourquoi pas goûter à du sirop de coquelicot. Ce sont quelques-uns des ateliers qui vous seront proposés ce week-end.
Pendant 10 ans, nous allons aller de quartier en quartier et à chaque fois, pendant 1, 2, 3, 4 jours, proposer des spectacles, des installations, imaginer avec des artistes un moment poétique qui raconte la ville, qui démultiplie nos regards et nos expériences sur la ville. L'objectif de la ZAD, c'est de faire découvrir ce parc dans toutes ses dimensions naturelles, donc c'est un lieu de biodiversité, et culturelle, parce que c'est un lieu d'art qui est marqué par la présence de Frédéric Basile. De l'art de rue, c'est aussi ce que veulent diffuser les artistes de la ZAD, tout comme le peintre Frédéric Basile, qui en 1850 a su s'inspirer de l'histoire de Méric pour en peindre les situations. Ce week-end, c'est toute une peinture forestière qui attend les visiteurs par la présence de feuillus, ces personnages faits en feuilles mortes exposés le long du parcours. On fait des spectacles dans l'espace public et dans l'espace public, on essaie de faire en sorte qu'une part de rêve puisse habiter nos consciences à tous, public. Voilà. Donc on essaie de raconter des histoires qui puissent nous mettre dans des atmosphères un peu différentes de la réalité. Voilà, c'est un travail sur l'imaginaire qui est en relation directe avec la réalité. Au rythme de la nature, sur les berges du Lez, les visiteurs auront 3 rendez-vous. 37 artistes de tout le pays se sont mobilisés pour l'occasion. Une façon de faire partager leur art et de se lancer les défis de nouvelles performances. Je voudrais aussi mettre l'accent sur un spectacle justement de danse, dimanche à 17h30, qui va varier en fonction des résultats du match de la finale de la Coupe de la Ligue samedi soir, donc Montpellier contre Marseille. S'affichant comme un élément phare de la culture montpelliéraine, c'est surtout un gros enjeu pour les concepteurs de la ZAD, en espérant que la pluie annoncée pour ce week-end ne vienne pas tout gâcher. Vous le voyez, même à la zone artistique temporaire, on parle de foot. Gérard Mutley, le Montpellier Héros en finale au Stade de France, vous pensez que ça va le faire ? Je ne sais pas si ça va le faire, mais c'est merveilleux. Oui, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure, le Stade de France, une équipe de Montpellier. J'oublie pas non plus nos amis du rugby à Brive, le handball. Rhein-Karlauen en Allemagne, oui. Ouais, ce sont de beaux challenges. Aussi du volley, hein, avec les Montpellierains qui vont essayer de se qualifier face à Tours. Du basket avec Latte qui va se déplacer à Bourges. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Joli programme. En tout cas, on souhaite aux Montpellierains, au moins au Stade de France, de lever la coupe. Ça, c'est certain. Ça serait très beau. Merci Gérard Mutley. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'info mardi à 12h30, avec le sport lundi à 18h30. Je vous souhaite une bonne soirée sur TV Sud.